Mais voilà, malheureusement, j'ai eu une blessure, puis une autre. Et voilà, maintenant, ça m'a pris 1 an et demi pour me récupérer. Et voilà, là, c'est mon sixième tournoi. Et là, alhamdoulilah, pour le niveau que j'ai atteint en quelques tournois, je pensais que ça allait être plus compliqué que ça dans le niveau, tout ça. Mais bon, après beaucoup de choses, c'est clair qu'il n'y a pas. La blessure, ça fait. Même si c'est injuste des fois et c'est dur à digérer, mais ça fait partie du sport. Le corps est à 100% tous les jours, donc ça en fait partie. Il faut accepter, il faut tourner la page. اليمين في دوري تونس المفتوح 2012 قدم مردود طيب لكنه انسحب قبل بلوغ الدور الربع النهائي. C'est en même temps décevant, en même temps c'est une bonne chose donc mais les choses sont passées un peu vite donc j'ai pas eu beaucoup de temps de réfléchir. Mais bon, franchement je suis content malgré la défaite. C'est dommage parce que je serais passé en quart de finale et plus j'aurais eu un match moins dur, on va dire, dans sur papier, et plus de confiance, tout ça. Et c'est toujours les deux premiers matchs où le tournoi peut changer, où on peut enlever une tête de série du tableau, et voilà. L'Emin يبلغ من العمر 27 سنة متزوج بمغربية ولعب إلى حد الآن بالألوان الجزائرية وصرح أنه ما لقى حتى دعم من الجامعة في الجزائر وعلى المسؤولين في بلاده ثائر. Ça fait plus de 7 ans que ni la fédération algérienne ni le ministère m'ont aidé. J'ai plus de sponsors en Algérie depuis 5 ans. C'est comme ça, c'est dommage. Et je ne pense pas que ça va changer. Parce que ça a duré trop longtemps et voilà. Et si ça a été pendant 2 ou 3 ans, mais là ça fait plus de 7 ans et c'est un peu compliqué que ça change. Voilà. Comme tout le monde sait que je suis marié à une Marocaine, ben j'attends la nationalité marocaine bientôt et peut-être représenter le Maroc. Ce n'est pas que j'aime pas mon pays ou je préfère l'Algérie au Maroc ou le Maroc à l'Algérie. Aujourd'hui, je me sens des deux pleinement. Mais bon, j'aurai le choix de jouer pour l'un des deux et je pense que ça sera le Maroc vu les moyens qu'ils ont et l'importance qu'ils donnent au sport, au tennis et comment ils respectent un joueur. Malheureusement en Algérie il n'y a que ça que pour le foot. نتمنوا أن لامين وهاب يكون أحسن الاختيار ويبقى عالميا في صف الكبار لأنه بالمرتبة الأولى جدير وهو من أحسن اللاعبين في المغرب الكبير.